Salut les gens, c'est Cospio, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur le jeu de Class Principal. Et comme vous pouvez le voir, on a débloqué le troisième étage cette tour dont nous avons commencé l'ascension dans l'épisode précédent. Et oui. Donc on va voir tout de suite ce qu'il nous réserve. On sait maintenant que le berger est plus une sorte de rebelle qui essaie de nous guider dans cette tour. Qu'est-ce que ça dit ça? Mais justement, non, c'est pas le berger, non, c'est la brebis. Et lui, il m'a proposé un marché, les portes du paradis et la vie éternelle, à la condition que je me détourne de la tour. Je ne sais pas quoi faire, brebis. Voilà, on est clairement sur un concept de fruit défendu. Hein. D'un côté, on nous propose la vie éternelle, qui pour moi sonne comme un éternel reboot, parce qu'ils disent qu'on ne se souviendra de rien, qu'on souffrira pas. Ça m'intéresse pas des masses, hein, je vous cache pas. Et d'un autre côté, on peut découvrir plus de choses intéressantes. Oui, simple, je dis donc. Dans cette tour. Par contre, on nous dit que ça nous mènera à notre mort. Mais bon. Après, est-ce que c'est plus intéressant quoi? Une vie éternelle où on se souvient de rien? Ou le fait de mourir mais en ayant accompli quelque chose? Ça se trouve... Après, si à chaque reboot, on est capable de poser une sorte de pierre à l'édifice, pourquoi pas? Mais rien ne me garantit pour l'instant. Et je pense que dans tous les cas, il faut passer dans cette tour. Ouh. Capsule temporelle sur l'ADN. Je regarde dans le miroir parfois et je me vois comme une extraterrestre. Je réfléchis. Qui suis-je? Pourquoi ai-je ces yeux et ces mains? Pourquoi je vois les couleurs que je vois? Pourquoi je pense comme je pense? Je n'ai pas choisi d'exister. J'ai été créé. Chaque partie de mon corps, chaque brin de mon ADN fait partie d'une histoire qui s'étend des milliards d'années en arrière. J'existe seulement à cause des choix et des sacrifices faits par tant d'autres, mais sans que je sache qui ils sont et quels effets auront mes choix sur ceux qui viendront après moi. Peut-être que c'est ça être humain. Chaque espèce fait partie de l'histoire. Mais nous sommes les seuls qui le savons. Ça m'arrive aussi des fois de me faire des crises existentielles dans mon miroir. Me demander ce qu'on fout là, à quoi on sert. Mais bon, ça mène rarement à quelque chose, donc bon, ça sert à rien de se tergiverser là-dessus. Hop, on va faire ça comme ça, normalement on est pas mal. Comme ça on se retrouve avec le double qui viendra ici. Vers ce passage là. Moi j'ai plus qu'à faire ça. Voilà. En tous les cas, c'était pas très compliqué ce niveau là. On peut accéder à... Ça c'est la sortie. D'accord. C'est bien de voir s'il y a des trucs cachés. Parce qu'on cherche une étoile, hein, je vous rassure, j'ai toujours ça en tête. Hein. Une étoile. Alors qu'est-ce que ça dit ça? Si tout cela a été un test, alors je peux espérer une évaluation finale en atteignant le sommet. Pourtant, plus je monte, plus je doute des décisions que j'ai prises. Brebis. Je vois maintenant qu'aucun d'entre nous est encore prêt. Le cycle existe pour que nous puissions nous améliorer. Mais celui qui atteint le sommet n'est pas notre supérieur. Car il se tient sur nos épaules pour l'atteindre, le berger. Oh, c'est beau ce que dit le berger. En effet, c'est un travail d'équipe pour atteindre le sommet. Pour le test final. Mais c'est pas pour autant que la personne est supérieure, parce que sans ses prédécesseurs, elle n'aurait jamais atteint le sommet. Un way over de lecture. Commençons par lecture. Mot de passe Osiris. Et là, dans la tour, vous entendrez le bruissement du vent dans les champs des roseaux d'Osiris et vous vous réjouirez. Mais attention, car votre voyage n'est pas encore terminé. Merci d'avoir installé Realistic Elevator 1.8. Les nouvelles fonctionnalités comprennent le verrouillage par mot de passe et la génération automatique d'escaliers auxiliaires. Et le scribe d'Osiris a écrit sur le parchemin sacré qui s'appelle Iniflur 4 Password 523. C'est ainsi que vous atteindrez Aru le Béni. Ça, c'est peut-être le berger qui a ajouté ça pour que ça passe crème. On n'a pas l'impression que ce soit voilà un truc rajouté. Donc le mot de passe, ce serait 523. Ok, nickel. Decker. Bon. Ben, allons dans le gestionnaire de périphérique. Bon, les textes ne sont pas extraordinaires, hein. Mis à part le celui sur le contraire, qui définit un peu le bien et le mal, mais avec
Notion un peu bizarre, mais bon. Contrôle accès étage. L'étage 4, s'il vous plaît. Et je crois que le code de tête, c'était 523. Mais je vous avoue que j'ai déjà oublié. C'est celui-ci. Bon, nickel. Faut jamais perdre confiance en sa mémoire. On peut quitter l'utilitaire. Et quitter l'ordinateur. Bon, bah voilà. Maintenant qu'on peut accéder à l'étage 4, on va pas trop tarder. On va voir ce qu'il nous réserve. Prendre l'altitude, on prend l'altitude. On voit même plus la base. On va essayer à l'étage 4. Ah, il n'y a pas de texte écrit ici. On a la porte, ok. Et là-bas, il y a quoi? Rien. Même pas une petite note, que dalle. Oula, il en faut des sigils pour pénétrer dans cet étage. Si je fais ça comme ça, je tente des trucs. Hein. Ça a l'air pas mal ce que je fais, j'ai l'impression que je maîtrise, mais alors pas du tout en fait. Hein. Je vais faire vous rassurer tout de suite, pas du tout. On va pas mettre cette pièce là, dommage. Par contre, si je fais ça comme ça, non, ça rentre pas non plus. Dommage, dommage. Et si je fais ça? Non. Là par contre, c'est encore moins intéressant. Alors. Non! Oh, mais ça marche pas comme ça en fait. On dirait pas comme ça, mais j'élimine les possibilités d'assemblage parce qu'on voit qu'il y a des incohérences qui s'installent. Un peu comme quand on fait un sudoku. Comme si je fais ça, ici il n'y a rien qui peut aller dans le coin, donc ça déjà, ça ira jamais sur les extrémités. Si je fais ça, pareil, je retrouve avec des longueurs de 3, et ici une longueur de 4 qui ne sera pas intéressante à exploiter. Donc déjà, ceux-ci on sait qu'ils vont pas aller ensemble. Pas moche. Par contre ici, ça nous pose problème parce qu'on n'a pas grand-chose qui peut rentrer dans cette partie-là. Faire ça comme ça éventuellement. Ça se complique, ça se complique. Ah, il est pas mal celui-là par rapport aux autres. Hein. J'ai un peu baissé ma garde depuis le temps. Ah, si je fais ça comme ça, nickel. Voilà. Eh ben, décidément, il était compliqué celui-là. Ouf. Je sais pas ce que nous réservent les deux autres. Parce qu'il y a 6 étages, c'est ça. Ouais. Oh, ça risque d'être compliqué. C'est compliqué. Alors voyons voir. Niveau 4. Ah, des messages, je me disais bien. Donc je suppose que personne n'est arrivé jusqu'ici avant moi. Je sais maintenant que certaines de mes réponses étaient fausses, mais je ne sais pas lesquelles. J'ai échafaudé des théories et des explications sommaires, mais je ne sais pas sur laquelle miser. Donc ça c'est Bobby version 55. D'accord. La solution du cycle ne peut être due à la perfection d'un seul individu, mais au produit d'un effort collectif. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui viendront après moi, je vous attendrai au sommet de la tour et utiliserai tout ce que j'aurai appris pour vous aider de mon mieux. J'aurais peut-être dû embarquer le seau qu'il y avait en bas. Est-ce qu'il y avait un seau en bas? Histoire de peut-être écrire un truc là. Puis on ira le chercher après. Bon, voyons voir ce niveau 5. Oula! Très austère sous cette ambiance industrielle. Ah, capsule temporelle, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des failles dans le système. Je pense que parfois, il accède aux mauvaises bases de données, tire des données aléatoires. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est mauvais. Tout semble être stable, mais je ne peux pas dire quel genre d'impact cela va avoir sur le processus et. Je n'ai tout simplement pas la force de réexaminer l'ensemble du code. Je ne veux pas que tout soit pour rien. J'ai passé tout mon temps ici. Je n'ai pas rendu visite à mes parents. Je n'ai pas vu mes amis. Je n'ai fait que travailler. Et j'ai tellement peur que ça n'avait aucune importance. J'ai tout abandonné parce que je pensais que nous pouvions... que nous pouvions sauver le monde. J'ai très mal au cœur de l'entendre comme ça en train d'agoniser, j'ai l'impression.
Mais on comprend aussi pourquoi le programme est un peu bizarre. Hein. Effectivement, il y a pas mal de petits bugs. Bon, il fonctionne quand même en quelque sorte. Plus on avance, c'est toujours plus horrible. On est confronté à la mort elle-même. Je vais vérifier si je pouvais monter sur la caisse quand elle est bleue comme ça, mais non. Effectivement, non. Parce que moi, il faudrait que je grimpe là-dessus pour pouvoir grimper sur mon clown. Pour ça, il faut que j'ai la caisse ici. Pour pouvoir grimper là. Ensuite, l'idée, ça serait que lui ait la possibilité de grimper sur une caisse, mais qui ne sera plus là, malheureusement. Comme ça, moi, je suis dessus. Et puis, si lui saute et que moi, je saute, il y a peut-être moyen que j'atteigne les clés. Et oui. Ce que je me dis. Donc, comment faire? Comment faire? A mon avis, lui tout seul, ça suffira pas. Il me faut une caisse au-dessus. Après, au pire, la caisse qu'elle se trouve en haut ou en bas, ça marche aussi, non? Si je fais ça, jamais sur lui. Et je grimpe. Après, au pire, je la mets là. Lui fait son petit truc. Hop, il attend que je monte. Il faut que j'aille chercher la caisse, je la pose. Je monte, je pose la caisse sur lui. Je monte sur la caisse. On est pas mal. Ensuite, il m'emmène là. Il grimpe. Je saute pour essayer de choper les clés. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il saute. Il saute plusieurs fois. Faut que je vois ça, pas comme ça, pour voir après où j'en suis. Là. Ça devrait suffire, je pense. Hop. Voyons voir. Alors, en laissant la caisse ici, je laisse la possibilité à mon clone de grimper. Ouais, je grimpe sur la caisse. Je la pose sur lui. Monte. Sur ça. Oula, donc le timing était serré. Faut que je saute en même temps que lui. Oui, ça a marché! J'ai eu les clés! Nickel! On accède directement au PC. Oula, c'est un vrai labyrinthe ici, dis donc. Et la grille ici, elle va s'ouvrir, un jour peut-être. À quoi ça sert tout cet espace perdu? Pour me perturber. Décidément. Alors, voyons voir. De la lecture. Nombre sacré. Alors, le messager béni m'a révélé les eaux de la nouvelle Jérusalem, endormies dans la poussière du corps d'Adam. D'Adam. Attendant le jour de la résurrection, ainsi, dans la poussière était dissimulé un feu sacré. Et le feu, les nombres sacrés, dont celui que tu cherchais, est 925. Je l'ai compris qu'avec le feu. Et j'ai compris qu'avec le feu sacré, le savoir sacré des nombres et sigils, la régénération. Ouais, c'est des morceaux de texte dans lequel il a caché des mots, hein, des numéros, hein, dans une sur 925. Bon, bah allons-y. Plus on grimpe dans cette tour, plus j'ai... Plus c'est pas gay, quoi. Plus c'est... Ouais, non. Contrôle accès étage. Étage 5, s'il vous plaît. Code 925. Code accepté, déverrouillage en cours. Terminé. Boum, on vient de débloquer le dernier, l'avant-dernier étage. Eh, ne brûlons pas les étapes. Et on découvrira ça une prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, à toutes!